Shalom Aleichem, on est dans Siman Taf Mem Gimel. Din Hametz Be'erev Pesach. Hametz qui est la veille de Pesach. Hametz Mishesh Shaot Velmala Be'yom Yudalet Asur Min HaTorah Ben Be'achila Ben Be'ana'a. Rachamim Asur Hametz Be'achila Shte Shaot Kodem Lachem. Ve'lachem Asur Le'echol Hametz Be'yom Yudalet Misof Arba Shaot Ulmala De'ayinu Shlish Hayom. וחושבים השעות בשעות זמניות מעמוד השחר עד צאת הכוכבים. ועמוד השחר הוא שיעור שעה וחומש קודם הנצח המה, ולא כמו שחושבים בלוחות הנפוצים בארץ, זמן עמוד השחר, שעה וחצי קודם הנץ החמה. ראינו דילו רב, חמץ, איפה סבואר, הפרטיר דו סיזר, לסיזיימר, אה פלוס. לקטורס, de Nissan. Le Hametz, il est assourd de le manger et de profiter de la Torah. La Torah, elle a interdit à partir de la sixième heure du 14. Et les Chachamim, eux, ils ont interdit 2 heures avant. Pourquoi ? Faire une barrière pour pas qu'un homme, il va transgresser Issur Torah. Il faut savoir Hametz, ok ? Pendant Pessah, c'est karet. Tu manges kazaït, 27 grammes de hametz. Pendant Pessah, c'est karet. Avant Pessah, c'est pas karet, mais c'est une issue, quand même. Okay? Mais à partir de la 6e heure, c'est issue Torah. Chachamim, ils ont rajouté encore 2 heures. Mais la reine, c'est pour cela, il s'est assis de manger hametz le 14 à la fin de la 4e heure. Que ça, c'est le tiers de la journée. Et comment on va compter la quatrième heure? On va compter la quatrième heure, mais Amud Hashachar, du lobe, Ad Tzeit HaKochavim, jusqu'à la sortie des étoiles. Ça veut dire qu'on va prendre à quelle heure ça commence? Lobe, Tzeit HaKochavim, la sortie des étoiles. On va compter combien ça fait, ça dépend. Des fois, ça va faire 12h10, 12h20. Parce que ça dépend de l'heure. L'heure, des fois, il fait 60 minutes. L'heure, des fois, il fait 1h10, 1h12. Ça dépend où. Et l'heure, des fois, il fait 53, 54. Comment ? Pas des Shaot Zmaniyot. Shaot Zmaniyot, c'est l'heure qui est selon le temps. Il faut savoir, nous, les Juifs, l'heure, elle n'est pas 60 minutes. Parce que nous, on regarde la lune et le soleil ensemble. Alors, comment tu vas compter? Tu vas compter à partir de l'aube jusqu'à la sortie des étoiles. Combien d'heures il y en a? Si par exemple, il y a 12h30, tu vas prendre 12h30 et tu vas diviser par 12. Et quand tu vas diviser par 12, ça c'est l'heure. Alors, des fois, l'heure c'est 1h05. Ça c'est l'heure. Alors maintenant, à partir de l'aube, quand il va commencer l'aube, okay, tu vas prendre 4 heures. 4 heures après, c'est une sourde des rabananes de le manger. Comment? Oh, on verra même. Très bien. Ça veut dire que c'est un sourd de le manger, mais quand même, tu peux profiter de ce hametz. Tu peux encore le vendre. On lui dit le rab. Bi'amud al-shachar. Et quand est-ce que c'est Amud Hashachar alors? Amud Hashachar, c'est le lever du jour. C'est 1h05 avant le Netz, avant le premier rayon. Ça s'appelle 72 minutes. Les Shaot Zmaniyot avant le premier rayon du soleil. Ça s'appelle le Netz. Et donc, moi, je rejoins le roi d'Anifosim Barez, Man Amud Hashachar. Et pas comme il y en a qu'il compte que l'aube, c'est 1h30 avant le premier rayon. Pour savoir, l'heure, c'est pas 1h30. L'heure, c'est 72 minutes. Excusez-moi, dans la Mouda Shahar, c'est 72 minutes. Ça veut dire, quand il y a le premier rayon, en général, c'est une grosse parole qui est dans cela. Est-ce qu'on fait Netz Anir E ou Netz selon le temps? En Israël, c'est très fréquent cela. Netz Anir E. Le Netz, ça veut dire le premier rayon, quand tu le vois.
Si tu te trouves dans la montagne, okay, tu vas le voir plus tard. Si tu te trouves par exemple à Natania, tu vas le voir directement quand tu le vois qu'il sort du... pas de la mer c'est Maharab, là-bas il couche. Là-bas il couche, de l'autre côté de la mer. Quand c'est plat, alors tu le vois directement en premier. Celui qui est dans la montagne, il va voir peut-être 12 minutes après. Alors comment on prie? Après Maharaj Shulchan Aruch, on prie selon le Netz HaNiréh. Quand tu le vois. Par exemple, si tu te trouves à Jérusalem, c'est quelques minutes après. Alors tu vas faire Kriyat Shema. Comme d'après Rabbi Eliezer, il dit c'est un Netz HaChama. Une, deux minutes avant le Netz HaChama. Ça, c'est Mitzvah Min HaMufra, la Mitzvah qui est plus grande. Faire Kriyat Shema, mais un Netz HaChama. La sortie des rayons. Et quand? Ça dépend où tu te trouves. Ça, c'est selon Maharan HaShulchan Aruch. Mais nous, de nos jours, il y a un problème. Ces discussions dans les Chacham, tout cela. Alors, on ne fait pas selon le Netz HaNiréh. On fait comme Nikui Ari. Comme on enlève toutes les montagnes. Soi-disant, comme on enlève toutes les montagnes. Et, okay, et on fait selon. Comme si c'était plat. D'accord? Mais il y a une différence par rapport à l'heure. À Jérusalem, c'est un tout petit peu plus tard, quelques minutes plus tard, à Natania, c'est un peu plus tôt, etc. Ça, c'est le Netz HaChama. Maintenant, du Netz HaChama, et c'est pour cela, comme nous, aujourd'hui, on n'est pas baki, quand on voit le soleil, quand on ne voit pas le soleil, quand c'est le premier rayon, quand ce n'est pas le premier rayon, qu'est-ce qu'on fait? On y va selon les Luchot. Les Luchot, c'est les calendriers. Il faut savoir, il y a un très grand problème dans les calendriers. Il y a des calendriers qu'ils font, quand je vous dis, n'importe quoi. Le Rav Avadia Zatzal, il a dit, il y a beaucoup des nafkaminot qui te sortent, il y a beaucoup de choses qui te sortent selon le calendrier. Selon Nida, selon Shabbat, quand tu vas faire entrer Shabbat, quand tu vas faire sortir Shabbat, quand c'est, il y a beaucoup des choses que ça bouge. C'est des cas qui sont très délicats. C'est pour cela... Le Rav Avadia, lui, il a dit qu'il y a deux sortes de calendriers. Un des sortes qu'on peut, une des calendriers qu'on peut, oui, compter, c'est le calendrier de Orachaim, de la Yeshiva de Orachaim. Le Rav Ben Izri, Rav Shlomo Ben Izri, c'était un des grands des députés en Israël, Sarabriyut, il était. Et lui, il a fait avec le Rav Avadia, selon la direction de Rav Avadia, Zatzal, et ils ont créé un calendrier ici à la Yeshiva. Il dit là, Vadia, il venait tous les jeudis ici à la Yeshiva. Il a dit que c'est un calendrier qu'on peut compter sur ça. Okay. Et toutes les heures qu'on a dans les portables, tout cela, c'est très délicat. On voit, j'ai vu des fois des changements de 5-10 minutes à droite et à gauche. Alors, il dit le Rav, okay, le Netz. 72 minutes de Shots Maniot avant, là c'est l'aube. Misof Arba Shahot, Asof Shah Hamishit, à partir de la quatrième heure, la fin de la quatrième heure, okay, jusqu'à Misof Arba Shahot, Asof, jusqu'à la fin de la cinquième heure, le Hametz il est moutard Be'ana, le Hametz il est moutard de profiter. Ça veut dire, tu peux le vendre au Goy, ou tu peux donner par exemple à tes pigeons, ou à tes poules, etc. Bilvach et Amod, par contre, c'est bien et c'est conseillé de se trouver à côté, que eux, ils mangent tout. Ils mangent tout le Hametz. Parce qu'après, ça s'appelle encore ton Hametz. Puisque maintenant, ça s'appelle ton Hametz, si maintenant, ils ne veulent plus manger, tu es obligé de prendre ce Hametz et de le brûler. Ou de le jeter dans la mer. C'est pas obligé de le brûler, c'est bien de le brûler, c'est bien. Comme s'il faisait la Biouda, il disait qu'on le brûle. Mais celui-là qui ne peut pas le brûler, il peut mettre par exemple dans la mer, ou par exemple de le donner aux vaches, du moins que les vaches y mangent. Mais il va hermacher Shishaou, et maintenant il va annuler, qu'est-ce qui reste? Mitrilat Shah Shishit Atsofa, Ahamed Sassou Banaha, et au commencement de la première
sixième heure jusqu'à la fin, le Hametz, il est assourd de profiter midi vrai sofrim, selon les Chachamim. Pour cela, il faut qu'il se dépêche d'annuler le Hametz à partir de Misha'a, chez Nesabana, en Bitour. À partir que maintenant c'est assourd de profiter du Hametz, tu ne peux plus annuler le Hametz. Si maintenant l'heure est arrivée, tu ne peux plus profiter et même tu ne peux plus le vendre. Ce Hametz, là maintenant, il faut que tu jettes tout. Il y a des gens qui se prennent à. Lentement, et le Hametz, ils sont chez eux, ils se réveillent, maman, combien de cas. Alors, Kvod Arav, comment j'ai fait? J'ai pas vendu mon Hametz. Il faut le plus tôt possible d'y aller chez le Rav, vendre le Hametz, parce qu'après, un homme, lui, il peut se trouver quelques heures avant Pessah avec le Hametz qu'il n'a pas vendu. Et après, ce Hametz, on ne peut plus le consommer. Et tout le Hametz qu'il a maintenant dans les ustensiles, qu'est-ce qu'il va faire? Pour cela, Khazak Baruch.